Putain de saloperie, je vois rien. T'es là. Ils sont horribles ces machins, ils sont vraiment horribles. Ok, maintenant on court. Juste au cas où pour pas qu'il s'approche. J'espère que c'est pas trop chiant à regarder. Enfin, bah, honnêtement, à regarder, je pense pas, mais le pire c'est de le jouer. Hein. C'est un peu ça avec les vieux jeux. Quand tu les relances, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Des fois ça marche, des fois ça se lance, des fois ça se lance pas, des fois ça se lance mal. Genre si je faisais... 2 secondes, je vais tester un truc, attention. Si on testait un truc. Genre de faire un Alt-Tab. Tout simplement. Oh la vache, on a cassé le jeu. On vient de casser le jeu, ça y est. Saloperie est coincée. À quoi on est en train de jouer? Je crois que le jeu a un problème. Est-ce que ça s'est corrigé? Ok, on est bon. On est bon. Tout va bien. Eh oui, vieux jeu, un vieux jeu PC. La prochaine fois, on fera sur émulateur. On fera complet sur émulateur. Putain, parce que là, vache. Les vieux jeux PC, laisse tomber. On va plus ouvrir de caisse. Avec l'attaque de mêlée. Pas l'arme appropriée. Il faut qu'on trouve encore une nouvelle arme. Ah! Ça va être très utile. C'est un MP5. Cool. Ah, il a la lampe! Oh, Dieu merci, il a la lampe. Je n'ai pas l'arme appropriée pour ces munitions. C'est quoi ça alors? Ah, le lance-flamme! Ah oui, c'est vrai qu'on l'a perdu le lance-flamme, j'avais complètement oublié. Bon, on a récupéré le MP5, c'est bien parce que c'est un... C'est un fusil d'assaut avec... Enfin, un fusil mitrailleur avec la lampe au moins. Je pense qu'il est pas aussi puissant qu'un... Qu'un AK, mais... Au moins, il y a la lampe. J'ai un peu peur qu'il y ait des bestioles, ici, maintenant.
Genre les grosses bestioles là qu'on a du mal à tuer. On va prendre ça. Je ne sais même pas où on doit passer, putain. Là. Ah, plein. Ok, on est de retour dans ce couloir. Je sais pas vraiment où on doit partir là. Attends, là c'est où c'est qu'on avait combattu tout plein de mecs. Non ? Je vais aller voir à gauche là-bas. S'il y a quelque chose. Quoi ça porte de sécurité? Système de défense activé. Oh. Personnel, ah, lance-flamme, il a. Veuillez suivre le plan d'évacuation. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Putain de truc à la con, je veux pas crever. Ah, on y va avec le fusil. Ah putain de truc. Quelle merde. Zone dégagée. Déverrouillage des portes. C'est bon. C'est pas là qui était le lance-flamme ? Je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus si on l'avait trouvé dans le bateau ou sur la... sur la plateforme pétrolière en fait. Ah oui, non, c'est là. Ça va chauffer. Ah, la blague, ça va chauffer. Ça va chauffer, on va trouver un lance-flamme, lol. Eh oui. C'est drôle. Charge, ça est bon, ça est bon. Ok, pardon, pas pause ça. Ça on l'avait lu, ça aussi on l'avait lu, et le lance-flamme aussi on l'avait lu. Ah, c'est là l'œil. Rien voilà. Que pour vos yeux, James. Truc bien deg quand même. Mais t'es sérieux? Tu m'exposes comme ça face à trois mecs, j'ai même pas réagi quoi. Alors, brouilleur magnétique. Par mesure de sécurité, trois générateurs maintiennent le système opérationnel, un relié au système d'alimentation générale et deux autonomes. Le brouilleur restera donc fiable, même en cas de coupure générale. Le système ne faillirait que si les générateurs sont tous débranchés. Ou détruit. On va falloir détruire les générateurs. Sûrement.
Ah, c'est ça les générateurs, je crois. Je sais pas. Ça va où là? Ça va là-bas. Qu'est-ce que je fasse? C'est ça le brouillard? Non, mais c'est gigantesque. Ah, porte. Non, pas porte. Je suis censé faire quoi? Lance-grenade? Ah, m'étonnerait quand même qu'on ait besoin de lance-grenade. C'est clairement pas ce qu'il faut faire. Oups. C'est clairement pas ce qu'il faut faire. Je regarde s'il tourne la tête quelque part. Des fois il... Qu'est-ce que tu fais? Bon, peut-être qu'il faut aller, je sais pas, autre part avant. Mais aller où? Parce que là on a l'œil. Ah attends, peut-être. Les trois générateurs Elemental Field Magnétique, je dois les détruire. Je dois les détruire tous pour reprendre contact avec Bennett. Ouais, mais. Est-ce que là ils disent que. Ouais, non, là, ils expliquent comment ça marche. Tous débranchés ou détruits. FT-Rupteur a déclenché. J'ai... Non, il n'y a pas d'interaction nulle part. Super bizarre. Genre là, il n'y a pas d'interaction. Puis là, il y a une lumière verte. Tu te dirais tirer dessus, quoi. Innocent, bienvenue. Tire sur l'écran. Mais j'ai tiré partout, ça veut pas.
Y'a rien qui veut casser, merde. Et puis c'est comme ça qu'on fait dans les films, ok? Tire sur les écrans, ça détruit les ordinateurs. On va continuer à se balader. Haha, je m'en suis rappelé de ça. Voilà. Je m'en suis rappelé. Ça sert strictement à rien parce qu'il y a rien à récupérer. Si, ça. Bah, si quelqu'un a une idée, sinon je vais. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu étrange. C'est un peu bizarre. Alors on repart par là peut-être ? Par là-bas. Là il faut une carte. Il me faut une clé électronique. Il me faut une clé électronique. Okay. La salle des générateurs, ouais, là on était dans la salle du brouilleur, je dirais, du coup. Mais bon, il y a des trucs reliés à des câbles et tout, donc dans ma tête, pour moi, on était bon, quoi. Apparemment, non. Parce que je suis quasiment positif qu'on a fait toutes les salles qu'on connaissait du jeu, là, là. On a récupéré l'œil, on va aller à l'infirmerie. On a récupéré l'œil, on a pu rentrer dans la salle. Cette saloperie est coincée. On pourrait se soigner, mais on est quasiment... genre à 99% plein. On va aller récupérer des balles. Ouais, non, là, je sais pas du tout où je dois aller. Je trouve pas de soluce, mais j'ai plein de codes. Il y a sûrement la soluce quelque part. Ok, on est plein. Bah, c'est avec le MP5. C'est un peu étrange. Après, peut-être qu'il faut tirer sur une partie bien précise des sortes de trois générateurs, là. Enfin, si on appelle ça des générateurs, je ne sais pas si c'en est, vraiment. J'ai l'impression que c'est plutôt des récepteurs, en fait, de courant. Mais bon, dans un sens, si tu détruis ça aussi, bah, y a plus de courant, quoi. Donc ça devrait marcher aussi. Brûle la base, hein, pourquoi pas.
Qu'est-ce que c'est sombre ici? Ah! J'y suis allé là ou pas? Marvel. Après aussi, vu qu'on n'a pas de... qu'on n'a pas de map et tout ça, c'est un peu dur de... de savoir où on est allé, savoir où il faut aller, parce que des fois tu vois pas les, les portes quoi. Enfin, c'est du JPEG, hein, du vieux JPEG 480. Ouais. Des fois tu vois pas vraiment. Ok, là-bas il y a une porte. Mais je crois pas qu'il y ait autre chose. Ah si, ouais, non, ça on l'avait fait la dernière fois, mais je l'ai pas fait là, j'ai pas refait. Bonjour. T'es encore heureux que tu tires mal. Encore heureux que tu tires très mal. Des crêpes, faut arrêter de parler de crêpes, ça me donne faim, j'ai pas mangé encore. Ouais, bah une salle qui sert à rien quoi. Pas récupérer des munitions, pas grand chose. Cette saloperie est coincée. L'échelle est brisée. On n'est pas allé sur les l'escalier. Ah, il y a du soin, d'accord. Ah, ça va être l'heure où on demande à Google. Ça, c'est la chambre d'incinération, on s'en fout. Poste de sécurité, c'est là où on doit aller. Avec ça. Salle des communications, oui. Les ordinateurs, on peut pas interagir avec. Ça, ça a l'air d'être plus ou moins les générateurs, je dirais. Mais je suis pas sûr. Genre, est-ce qu'on peut pas couper le câble? Non. J'ai tiré dessus tout à l'heure, ça faisait rien. On peut pas débrancher? Non. J'ai tiré sur l'écran, sur la structure et tout ça, ça n'a rien fait. Vous êtes là? Je vous reçois. Votre situation?
Je vais bien, mais j'ai perdu Anna. Désolé pour elle, mais il y a plus important. Vous devez trouver les notes de Kavinsky. On pense qu'elle se trouve dans son ordinateur portable. Trouvez ces notes et téléchargez-les. Avec ces données, nous ferons en sorte que tout ceci ne recommence jamais. Et pour Anna? Ça va aller. Gagnez le poste de sécurité. Les notes s'y trouvent peut-être. Et vous pourriez y retrouver votre petite amie. Ce n'est pas ma petite amie. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Vos petites amies se font descendre, pas dévorées par des monstres. Suffit, Bennett. Comme vous voulez. Vos petites amies se font descendre. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une histoire qu'on connaît pas de lui, c'est ça ? De notre personnage ? Genre, il a perdu son ami, s'est fait tuer ou quoi ? On a failli crever, ça nous a enlevé toute notre vie. C'est une atrocité, ces monstres. Donc là, honnêtement, ils auraient dû faire en sorte que quand tu mets au moins une balle dans le générateur, il y a quelque chose qui se produit. Parce que bon, là... dans un jeu où tu dois faire attention à tes balles... Bah, je sais pas. J'aurais dû peut-être plus tirer partout. Pour découvrir ce qu'il fallait faire. Trouver l'antidote pour Anna. Ah, bah elle est là. Ah! Ça va encore se finir en entaille. Putain, mais c'est quoi tous ces jeux là? Je te promets qu'un jour, tu comprendras. Sûrement son père. Anna! Non! Oh, gong. Yamete! Hansen, répondez-moi. Je suis là. Vous avez trouvé les notes? Je me fous de vos notes, ces choses viennent d'infecter Anna. Ne faites pas l'idiot, Hansen, vous ne pouvez rien faire. Il y a un antidote, je peux encore la sauver. Un antidote? Bon, si vous pouvez le trouver, allez-y. Les notes attendront pour l'instant. Système de défense activé. Personnel non autorisé détecté. Veuillez suivre le plan d'évacuation B. Ceci n'est pas une zone dégagée. Déverrouillage des portes. C'est bon. Il vient d'où, lui, le docteur, là ? J'ai trouvé la clé électronique. Ah. D'accord. On savait pas comment donner la clé électronique, donc on a mis un mec comme ça au hasard. Et voilà. C'est où qu'il y avait du soin? Pas loin de là, je crois, non? Putain, il va me tuer, ce coup. C'était pas là. C'est dans la salle avec un escalier à côté, c'est celle-là? Non, c'est pas là. Innocent. C'est des codes action replay, c'est ça? Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Bah, si je dis pas de conneries, si on était sur émulateur, je crois que les émulateurs peuvent avoir les codes, ouais. Tu peux le faire. Ça serait utile. Du coup, il faut quoi? Il faut retourner à l'infirmerie du début. Par là. Ouais, vu que j'entends des bestioles, je dirais que c'est par là.
j'ai trop d'armes. Ah merde, mais ça me brûle. J'aurais dû deviner. Peut-être moi qui étais un peu con. Ah, on a la clé, attends, peut-être que... L'ascenseur du moteur... Ah, peut-être que ça... Cet ascenseur. C'est déverrouillé. J'ai encore perdu de la vie bêtement quoi. Bah c'est pas grave, on sauvegarde, de toute façon ça va nous remettre de la vie si on meurt. Bonjour. Page du docteur Kamsi. Kamsky. Alors pendant le développement asymétrique dans lequel il semblerait muter vers une forme particulièrement résistante, forte et agressive. Certaines parties du corps des individus ayant subi ce genre de mutation conservent une réaction normale aux blessures. Il s'agit souvent des membres supérieurs particulièrement développés. Les blessures répétées sur ces parties se révèlent souvent fatales au sujet. Les réactions de ces spécimens aux flèches APA sont très étranges. Ils deviennent hystériques et cherchent à les détruire à tout prix. Donc en gros ils nous disent comment tuer un gros boss quoi. Donc certaines parties sont sensibles, bah, y a sûrement des points faibles, un peu à la Resident Evil quoi. Et ils deviennent hystériques sur les fléchettes, donc on va devoir utiliser les fléchettes surtout, je pense. On va voir. Super, c'est verrouillé. Tu es un peu avancé dans la captation de son, tu as hâte de claquer des bits pour les entendre. J'ai déjà fait un truc, c'est plus ou moins en test pour le moment. Si tu regardes en bas de la chaîne, il y a écrit Beats Memes. Tu devrais voir, il y a un son de Parasitive 2 que j'ai pour le moment. Faut que j'en récupère d'autres, faut que je récupère la partie où elle se douche aussi. Super, c'est verrouillé. C'est de ce côté, désolé. pour l'instant c'est en on va dire en test. Comme ça les gens peuvent choisir avec le nombre de bits. Honnêtement je savais pas trop quoi mettre pour le moment le nombre de bits. Mais voilà. J'espère que ça va marcher en tout cas. D'accord. Ok, donc ça me touche d'ici, ça marche. Je vais crever avant de me... Je vais crever... Avant de combattre. Hein. Il y a des explosifs de partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette saloperie est coincée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux te spoil la solution. Ah, si jamais on est bloqué, oui. Vu que c'est un vieux jeu, tout ça. Si jamais, oui, on tourne en rond et tout ça, oui. Oui. Mais là, pour l'instant, on avance bien, donc ça va. J'ai l'impression que ça grouille. Ça grouille de bestioles. On va peut-être pas prendre le fusil à pompe, parce que si je tire une cartouche sur un truc, ça va tout faire péter. J'ai dû louper une porte. Où est-ce qu'on va? Ah! J'avais pas vu. Là-bas.
Faut que je récupère des clips de Metal Gear Rising aussi, Revengeance, parce que ça va être drôle. Il y a un truc dans... il doit y avoir un truc dans le conduit. Si on prenait le lance-flamme cette fois... Y'a quoi en bas? Ah, y'a un truc en dessous! Casse-toi. Voilà, donc encore une fois, utiliser plein de ressources alors qu'il y avait des bidons juste à côté. J'aurais pu complètement en faire exploser. Du coup... Mais bon, c'était marrant. C'est bien de s'amuser avec le lance-flamme de temps en temps. Ah non, pas encore! Non! Ah, c'est reparti. C'est reparti. Ça fait la deuxième fois qu'on se fait... Oh putain. Pourquoi me tuer si je suis... Pourquoi m'attaquer si je suis contaminé? Les aliens, ils nous attaquent pas quand on est contaminé. Ah là 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 là. Non, je suis dégoûté. Profite du message pour rappeler qu'on peut s'immoler par l'eau également si jamais. Ça sert à rien, mais c'est rigolo de savoir, je trouve. S'immoler par l'eau. Super, c'est verrouillé. Ah non, faut appuyer sur ça. C'est bizarre parce qu'il y avait beaucoup de chemins. Donc je suis en train de me dire peut-être qu'on peut éviter de tomber dans le trou. On va voir. On peut peut-être éviter. Cette saloperie est coincée. Oh. Ah. Là, il y a une porte. Cette saloperie est coincée. Ok, on est obligé de descendre là, je pense. Mais cours. Il a entré dans sa bouche, va pondre dans son estomac et sortir
par la tête. Matt l'a levé, il pouvait pas sortir par les fesses comme tout le monde. Foutu alien. Waouh. Waouh. Je crois que c'est des, ce genre de commentaires qui me font regretter de streamer des fois. Allez, bouge tes fesses. Bon, y'a plus rien autour de moi. T'arrêtes. T'arrêtes. Merci. Cette saloperie est coincée. Bon, c'est un générateur. Où est-ce qu'on est? C'est tout... C'est dégueulasse. Ah, il y a des trucs partout en plus. Je sais pas où on va. Non, 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 c'est trop pentu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. C'est immonde. On peut monter là? Ah oui, on peut monter. D'accord. Attends, on peut passer la porte maintenant ou on va toujours tomber? Ok, d'accord. Ah merde. Oh. Fallait pas le faire? Fallait le faire? Bah elle me fait peur cette bestiole là. Apparemment elle craint rien. On remonte. Bon, on a détruit le générateur, je sais pas pourquoi. C'est pas les bestioles dans Dead Space qui crachent des vers quand ils sont collés au mur. Oui, 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 ça ressemble un peu à ça, ouais. Ça ressemble un peu à ça, ça m'a fait directement penser à ça aussi. Alors, on a... détruit le générateur, mais pourquoi? Est-ce qu'on repart là? Un peu confus. Super, c'est verrouillé. Attends. Ah, c'est bon. Je suis confus de ce qu'on vient de faire là. Dans le module scientifique, je vais simplement passer par l'ascenseur principal sans monter à l'étage supérieur. Ah, attends.
Super, c'est verrouillé. Super, c'est verrouillé. Je pense pas que ça soit bon. Aussi délicat qu'un bulldozer. Cette saloperie est coincée. Il y a un truc que j'ai loupé. Faut peut-être détruire les monstres alors. On va reprendre des balles. On va aller voir ça. On va aller voir ça. On y retourne. Sûrement louper quelque chose. Je sais pas, il dit de pas aller à l'étage dans la description de l'objectif. C'est un peu étrange en fait. C'est... Je vais simplement passer par l'ascenseur principal sans monter à l'étage. Ok. Ça veut pas. C'est verrouillé. Donc il faut faire ça. Je dirais de détruire les bestioles en bas, là. Là, on peut pas passer, c'est bloqué. Ah, peut-être cette porte, elle est déverrouillée maintenant ? M'étonnerait. Cette saloperie est coincée. Voilà, c'est coincé.
Après, il y a un câble. Ah, il y a un endroit que j'ai pas vu. Bon, on s'en fout, on va détruire. Enfin, on va quand même détruire les merdes. Il y a un autre chemin. Où est-ce qu'on est ? Mais c'est tout dégueulasse! C'est un peu abusé ces trucs. Bienvenue sur PS1. C'est PS2. Super, c'est verrouillé. Ok. Plein de portes de tous les côtés. Ok, bien. Merde, j'ai réveillé quelque chose. Oh merde. Si j'avais tiré la cartouche de près, je pense que j'aurais touché l'explosif en même temps que le monstre. Donc du coup je me serais quasiment suicidé. Y'a rien d'autre. Ah, le jeu est pas... Non, ça... Ouais, je sais pas trop en quoi en penser. Faudra regarder des jeux PS2 qui sont sortis la même année. État d'avancement des travaux plateforme. Vous avez pas besoin dans le CC. Mis en marche le système de brouilleur, les communications et tout le personnel d'exploitation a été évacué. Ceux qui avaient connaissance de la présence des exocelles ont été traités à part. Ils sont tués. Une recharge pour le lance-flamme. Bon, là c'est juste un dorm. Ça va. Là y'a quoi? Là encore cette musique. Oh la vache. Oh la vache. Attends, oh wow, doucement, doucement. Ah putain de... J'avais une autre bestiole à côté de moi. Merde, celle qui m'a tué. Ah, les balles ne tuent pas, mais ces bestioles, elles te tuent. Hein. Oh la vache. Putain, mais c'est de la merde. C'est vraiment chiant, quoi. A plus, Lucie.
Merci beaucoup d'être passé, bonne soirée, bon fin de dimanche. Ah, on est où maintenant? Ah non, on est loin. On est loin. Ben, ça va aller plus vite maintenant, mais... Là, on aurait un peu l'avantage avec l'émulateur et les sauvegardes rapides. J'avoue que ce serait un peu plus intéressant. Pour éviter ces choses-là. Et cours ! Ah putain, j'ai plus de résistance. Si on courait direct, on se casse. Oh putain, je vois rien. C'est par où c'est là? Ok, on est bon. Ok, très bien. Je crois que si on passe à côté, ça nous attrape. Oh la vache. En fait, j'ai pas envie de le découvrir. C'est bon là ? Merci. J'ai recommencé un peu à jouer à Front Mission 3 là, je suis sur PlayStation. Je l'ai sur émulateur sur le téléphone. Vous pouvez même avoir EPSXE sur le téléphone. Et j'ai rajouté ma manette PS4 sur le téléphone. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Et du coup, je me suis remis à Front Mission 3. C'est pas mal quand même. Mais je sais pas si en stream ça irait bien. Un peu lent, c'est long surtout. Puis le truc, c'est qu'il est tout en anglais le jeu, il n'y a pas de version française.
Donc genre traduire toute l'histoire, ça serait un peu là. Ça prendrait du temps quoi. Je sais pas si ça serait vraiment intéressant. Mais le gameplay, qu'est-ce qu'il est bien. Il est trop bien ce gameplay. Je suis trop beau. Sont où les trucs? Sont où les trucs? Là. C'est bon? Il y a juste ce truc là. Ah putain de toi! Mais combien t'as de vie quoi? Oh la vache. Oh la vache. C'était juste. Alors là il y a eu un joli éclat de sang. Tout ça pourquoi? Cette saloperie est coincée. Bizarre. J'ai l'impression que c'était un peu une perte de temps. On parle tous anglais de nos jours en vrai. Non, il y en a plein qui parlent pas anglais encore. Super, c'est verrouillé. Non, mais c'est histoire politique et tout ça, ça va être long. Puis y a pas de voix. Je sais pas, faudra voir. Partie ta tête déjà. Ok, partie ta tête. Ouh, on lui met la main. Tant de pantalon. Pas de surprise. Je me demande si je le retire pas dans la tête, si je les détruis pas. Est-ce qu'ils vont se réanimer un jour, à un moment ou un autre, quand on repassera genre plusieurs fois dans la salle? Ah, je me demande si j'aurais pas pu le brûler avec ça. Oh non, on va devoir encore descendre. Pas besoin de trousse de soins, donc il y a une trousse de soins là. On peut aller là. Cette saloperie est coincée. Bon bah... on y va. Mais on est de retour là ? Où les chemins mènent à Rome, c'est ça? Quelqu'un a une idée d'où on va là? Parce
respirer. Putain, je suis perdu, moi. On repart là. Il y a peut-être une porte qu'on n'a pas faite. J'aime pas cette partie du jeu. Elle est un peu... Attends, tu reviens sur tes pas 50 fois, là. C'est un peu chiant. Ah, interaction. Cette saloperie est coincée. J'attends toujours un let's play de The Long Dark en anglais. En mode, tu fais le narrateur avec une voix bien creepy. Pourquoi ça? Tu as des envies bizarres, Elix. Super, c'est verrouillé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les trucs invisibles maintenant? Oh putain. Eh, on peut pas avoir une sauvegarde, sérieux? On peut pas avoir genre une jolie sauvegarde. Genre la prochaine porte, s'il vous plaît. Je pensais pas que c'était un ascenseur en fait. Cette saloperie est coincée. Où est-ce qu'on va ? Mais c'est méga grand, je suis perdu. Rapport scientifique. Cette saloperie est coincée. Arrête de répéter la même chose tout le temps. Qu'est-ce que je viens de faire? Oh! D'accord. Des fois, il y a des trucs un peu bizarres, tu sais pas ce qu'il faut faire. T'as des boutons, t'appuies dessus et... Enfin, tu peux appuyer dessus déjà, c'est surprenant. Et puis ça active des choses. C'est pas trop... C'est pas trop quoi. Ah merde, il y a des trucs là-bas. On peut brûler. Cette saloperie est coincée. Cool.
saloperie est coincée. Ça, c'est pas chiant. Alors, un peu de lecture. On a un rapport du scientifique sujet témoin Bécardunève. Elle était endormie, un DUR contaminé, ingestion forcée. Aucune ingestion d'antidote. Premier signe de mutation 20 minutes après la contamination. Premier stade de métamorphose complète 2 heures. Symptômes. Augmentation de la puissance musculaire, régénération des tissus après blessure, modification des organes internes, recherche de protéines activées, fonction neuronale supérieure désactivée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est donner la mort par heurte répétée de la tête sur les murs de sa cellule. Voilà. Alors, sujet d'expérience G304 a été endormi puis contaminé par ingestion forcée. Ingestion d'une dose de 20 ml de sérum, mutation visible 14 minutes, mais variation inattendue. Développement asymétrique avec disproportion du membre antérieur gauche. L'agent contaminant semble être logé dans le membre et s'y être multiplié. Le sujet présente une très grande résistance sur l'ensemble du corps, y compris au feu. Seul ce bras gauche présente une certaine vulnérabilité. Sujet détruit après 15 jours. Un risque trop important. Ah ben putain, ils en ont fait des expériences. Le 06, endormi puis contaminé par ingestion forcée. Premier signe de mutation retardée, 9h et 32 minutes. Symptômes, augmentation de la puissance musculaire, agressivité, régénération des tissus, altération de la pigmentation de la peau et de l'iris. Diminution de l'activité cérébrale, en particulier des fonctions cognitives. La dissection a montré que la présence de dendrite au niveau du rachis cortical, mais sous une forme atrophiée. D'accord. Fun, c'est fun. Deux phases, reproduction et la contamination. Pour se reproduire, l'exocèle se métamorphose en ce que nous avons appelé une tumeur, une structure organique immobile pouvant atteindre une taille considérable sous forme réellement déterminée et d'un aspect particulièrement repoussant. Ah, c'est sûrement les trucs qu'on a brûlés sur les murs. À l'approche de cette phase, Exocell recherche un lieu calme, isolé, généralement en hauteur, pour s'y attacher. Et s'y attache fermement à l'aide de ses tentacules. Ouais, non, c'est ça. Au bout de 24 heures, la tumeur produit un nouveau Exocell. Un processus semblable à celui du bourgeonnement. Les contaminateurs sont petits, rapides et très mobiles. Ça, c'est les choses horribles du jeu. Où je suis mort plusieurs fois. Ils prennent une position que l'on pourrait qualifier de fétale et se dotent d'une carapace solide. Mais l'intérieur reste mou et vulnérable. Leur mission semble être de trouver un hôte, de l'infecter en le parasitant et de s'en nourrir de l'intérieur. Le processus peut se répéter, mais finit toujours par reproduire un exocell mature. Ah, putain. Pour aller définitivement à un hôte muté, il faut détruire son cerveau. Donc c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Il s'est immolé par coup de tête. Ok. Même le corps mort, à condition qu'il soit en bon état, peuvent être réanimés. C'est ce qu'on a vu, les bestioles, elles se mettent dans la bouche là et après elles réaniment les corps. D'accord. Eh ben c'est fun! Super fun! Donc je dirais que ces bestioles sont devenues très solides et leur point vulnérable c'est le bras. Putain de merde, sale con! Putain.
Ça m'a surpris parce que... on était là, j'ai fait ça. Et bon, de moi, de... Hein, pour moi, là, il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a pas assez d'espace pour se cacher. Apparemment, si, il y avait assez d'espace pour se cacher. Ça m'a surpris. Putain de truc à la tête. Ce qui est embêtant dans le jeu, c'est que t'es perdu tout le temps. Je sais pas vraiment où je suis en train d'aller. C'est chiant. Oh merde, c'est foutu. Ah, on est au début. Ouais, on est au début. On va reprendre des balles. Ah, putain, Ça, c'est un peu fatigant, par contre. Ça a l'air fun comme jeu en tout cas. Regret de pas avoir connu la PS2 du coup. Ah non, oui, il est vachement bien. Ouais. Je suis assez surpris. Moi aussi, j'y ai pas joué. Hein. Quand il était sorti sur PS2 et apparemment la même année PC. J'y ai pas du tout joué non plus, je le connaissais pas. Okay, cette saloperie est coincée. Je crois qu'on a fait toutes les portes. C'est bien Resident Evil Action, quoi. On vient de là. On vient de cette porte. Je vais vérifier. Le seul gros bémol, je dirais, du jeu, c'est... Ouais, on vient de là. C'est le manque de cartes, quoi. C'est assez hardcore, ça, par contre. Non, il n'y a pas de cartes. C'est dans le laboratoire de Kamsky que je trouverai l'antidote. Après, le gameplay, ça va. Le gameplay tient bon. Faudrait bien lui couper la tête. Je vais vous couper la tête. Oh la vache. Merci. Où est-ce qu'on est? Ça a pas l'air fun en bas. Ah, il y a une glace. Ah oui, il y a une glace, je crois. Fais voir ce que ça dit. Nous avons remarqué que les décharges électriques n'ont aucun effet sur le réseau neural des exocelles. Par contre, quand l'exocelle a pris le contrôle d'un corps, il devient sensible, ainsi que son hôte. Et n'importe quelle source électrique de plus, l'exposition prolongée à de fortes tensions électriques provoque la mort des hôtes. D'accord.
Avec mon manque de patience, tourner en rond. Ouais, non, c'est vrai que le... Oui, oui, c'est... Ça reprend bah, les vieilles mécaniques des Resident Evil. Si tu savais pas trop où aller, tu tournais un peu en rond aussi. Hein. Là, c'est pareil. Et là, honnêtement, c'est le manque de cartes qui me tue, moi. Qui me casse un peu le jeu. Par précaution, nous devons électrifier le sol de la chambre d'expérimentation. Le système doit être utilisé que dans le cas d'extrême urgence. Est-ce qu'on le déclenche comme ça ? Accès refusé. Merde. Il nous faut une carte pour déclencher le truc sûrement. Oh la vache. Après l'ambiance du jeu est vraiment cool. L'ambiance du jeu est vraiment bien faite. Ah putain. Excusez-moi monsieur, faut pas manger ça. Et la difficulté est bonne. Bon, il y a les... Nous on est en difficile là. Mais j'aime bien le fait que t'es pas le viseur de l'arme et tout. J'en avais parlé quand on avait lancé le jeu pour la première fois. Genre que t'es pas le viseur, des trucs comme ça. Ça c'est des choses que j'aime bien moi. Faisait agresser par les des asperges. Ouais. Oh non, bestiole. Oh putain de merde! Vas-y, j'ai ouvert la tête, bordel de putain de toi, jeu de la con. Ces trucs là c'est le pire du jeu, les bestioles qui t'agrippent là, elles te sucent la vie, ok? Elles te sucent complètement la vie, c'est une abomination. C'est limite trop en fait. Bon après on est en difficile donc je dirais oui oui c'est fait exprès que voilà qu'il y ait de la difficulté. Mais putain, oh la vache qu'est-ce qu'ils font mal ces trucs là. T'as genre un quart de seconde pour... Pourquoi y'a plus de lumière? T'as genre un quart de seconde pour... Pour te rendre compte que t'es en train de te faire aspirer quoi. Alors, on avait... Oh merde! Casse-toi! Putain de singe! Vivement le jour où les IA de monstres réfléchiront que, comme les humains, ça risque d'être fun. Je pense que... J'en parlais avec Choco. L'IA des... Les développeurs en fait sous-estiment un point super important de l'IA. C'est pour ça que la plupart du temps les IA sont complètement débiles. Ils veulent les faire intelligentes et tout ça. Genre... Enfin... Qu'elles bougent et tout ça bien. Ça marche pas du tout parce qu'il n'y a pas d'agressivité pour moi je pense.
Ça manque grave d'agressivité pour les IA la plupart du temps. Là, les monstres, ils sont débiles parce que c'est des zombies. Mais ils sont assez agressifs. Ils te voient, ils te foncent dessus, ils veulent te tuer, quoi. Et il y a beaucoup de jeux maintenant, des jeux neufs, des jeux nouveaux, où l'IA, elle est complètement... Enfin, elle la ramasse parce qu'elle n'est pas agressive du tout. Travaux du laboratoire de Kamskaya, l'étage inférieur des modules scientifiques sont presque achevés. Nul doute que nos recherches vont bientôt connaître des avancées significatives. Les mecs, ils sont en train d'essayer de créer des monstres, enfin de créer des super-humains en fait. Un peu comme Umbrella, je dirais. Vivement Skynet. Le futur. Je crois qu'il y a une bestiole. Ouais. Tu n'as rien vu. Genre pour revite, pour prendre en exemple un jeu qui se passe dans un métro à l'extérieur. L'IA était complètement à la ramasse parce que l'IA manquait complètement d'agressivité en fait. C'est un bon exemple. Wow, toi t'es agile. T'étais censé me tuer les oreilles en même temps ou... C'est normal ça? Ça faisait partie du processus? Bon bah voilà. Attends, qu'est-ce que je suis censé faire là? Ah là? Bah, je me baisse pour esquiver ça. De la vie. Des balles. Là, je suis bloqué. Cette saloperie est coincée. C'est déverrouillé. Je suis dans un métro difficile de savoir de quoi il parle. Ils sont dans des cages. Ah non, on peut pas les détruire, tu te fous de moi? Ah, ils vont nous attaquer à un moment, du coup. Ah, c'est cliché, quoi. Non? Je sais pas ce qui se passe.
Ça va, mec? Ça va mieux? Plus mal à la tête? Ah, je te comprends, des fois, quand j'ai mal à la tête, j'ai envie de faire parler de la même chose. Fléchette. Hop, on est bon. Ah, c'est pour passer de l'autre côté, ça marche. On va sûrement devoir revenir sur nos pas et ils vont sûrement casser les... Tiens! Eh ouais, parce que moi je lis les documents. Maintenant il est dans la merde. Quoique, non, apparemment non. Ça va. Yo Vloom! Ah, bienvenue, Vloom Vloom Vloom! Passe un bon. Bon dimanche. Bon fin de dimanche. Qu'est-ce qu'il va faire là, ça? On remonte! Donc maintenant, on a l'antidote pour Anna. Ça peut enrayer le processus. Mais on n'est pas. On n'est pas recontaminé. Parce que moi je dirais aux œufs d'Anna, quoi. Je dois prendre l'ascenseur principal du module scientifique pour aller au niveau supérieur. L'ascenseur principal du module scientifique. C'est quoi? C'est avec les monstres, c'est ça? Fallait pas tomber. Merde, fallait pas tomber, je crois. La caméra, quoi. La caméra, tu m'aides pas, des fois. Hein. Je veux pas dire, mais... Bon, bah du coup, on prend ça. Cette saloperie est coincée. Oh, putain, c'était sérieux. Pourquoi il y a des... On l'avait vidé, cette salle. Ouais, c'est bizarre. C'était challenge. Bon, on est reparti. C'est de ce côté ou pas? Ah non, du coup ça doit être de l'autre côté en fait. Ouais, ok. Je sens qu'on va devoir activer l'ascenseur et on va se faire attaquer par des bestioles. Je le sens que gros comme une maison. Dans une zone de haute sécurité. Suivez le plan d'évacuation. Oh putain. Je répète, suivez le plan d'évacuation. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Zone dégagée, déverrouillage des portes. J'étais pas prêt pour des bestioles comme ça. Attends, du coup, c'est quoi? Salle de décontamination... À l'étage supérieur du module scientifique. Où est Anna? Mais, oui, mais quelle porte, maintenant?
Anna? Non. Je sais pas. Anna? Non. J'ai pas l'air con. Anna? Alerte, ouverture d'une cellule de détention. Alerte, intrus détecté. Alerte. Ah, ta mère. Zone dégagée. Déverrouillage des portes. Je me rappelle plus de la porte. Anna, là-bas ? Un Yeti. J'ai un mec qui a essayé de m'agresser dans le mode aventure en plus. What? De quoi on parle là? Anna? Anna? Ah. Encore les valves jaunes? Ah non, c'est les valves rouges. J'apprécie que vos hommes aient cessé de livrer ces actes de vandalisme sur les valves conduits d'essence rouge, mais je ne peux que regretter s'ils aient maintenant choisi de prendre celle des conduits des vapeurs jaunes. Rien qui soit plus dangereux et plus difficile à réparer. C'est que la main d'œuvre que vous coûte, ne vous coûte pas cher, mais je préfère qu'elle serve aux expériences. C'est des jets de vapeur brûlants. D'accord, ok, ça marche. Tu parles de fois 76. Ah! D'accord. Tu parles du jeu interdit. Anna! Prends-toi la seringue! Désolé, Anna. Bon, alors, Tom, il y a deux malades et un antidote. Quel con. Allez, Hansen, l'heure tourne et vous avez encore du travail. Oui, je sais. Mais faisons un marché. Je trouve vos notes et vous faites sortir Anna de là. Vous êtes dur en égo, Hansen. Mais c'est d'accord. Ok, je me lance. Monsieur... Le héros américain, là. Donc tu viens de de lui injecter l'antidote. Bon, ça, oui. Et elle vient de disparaître. Donc elle en a rien à foutre de ta gueule. C'est sympa, quand même.
Faut que je trouve le dortoir des scientifiques. Hein. C'est là où se trouve l'ordinateur portable de Kamsky. Kamsky. Attends, peut-être pas là. Orion, ça va, Orion? Faudrait que je le désinstalle, Fallout 4. Il prend de la place. Prendre de la place pour rien. Maintenant, on fait quoi? Le dortoir des scientifiques? Quelqu'un a une idée? Où est le dortoir des scientifiques maintenant? Ça, c'est pour revenir. C'est pas là. Oh la vache, c'est le bordel ce jeu. Que je joue aux Sims dans ce cas-là? Ah, pour faire de la construction et tout ça. En parlant de construction, il y a Jurassic Park. Non, Jurassic World. Le truc, je l'avais streamé là. Ils ont rajouté plein de DLC maintenant. Cette saloperie est coincée. J'avais envie de me relancer dedans, mais je sais pas. Je sais pas trop. Bon, je dirais là. C'est complètement là. Putain! Oh la vache, il y a une bestiole en plus à l'intérieur. J'ai envie de combattre dans moi, merci. Tom! Anna, vous m'avez sauvé la vie. Merci quand même. Vous devez m'aider à détruire cet endroit. Non, je dois d'abord trouver les notes de votre père. Et quand ce sera fait, Bennett pourra vous faire sortir de là. Vous allez mourir! Peut-être, mais vous survivrez, Anna. C'est le principal. Adieu. Mais tu viens de la rencontrer, la fille! Putain de bruti, quoi. Ça aurait été plus cool de faire le dortoir des filles, mais enfin... Ouais. Jurassic World, évolution, c'est ça, ouais. Moi, j'en aurais profité pendant qu'elle dort. L'heure tourne et vous avez encore du travail. Je lui aurais injecté l'antidote. Mais faisons un marché. Je trouve vos notes et vous faites sortir Anna de là. Vous êtes dur en égo, Hansen. Mais c'est d'accord. Ok, je me lance. Non, c'est pas grave.
C'est un grand sensible. C'est un grand con, ouais. C'est un grand con. Tant qu'il y a des bestioles, on est sur le bon chemin. Mais merde ! Ok, on va le laisser venir parce que... Non, ça marche pas comme ça. Je pensais que je pouvais le tuer avant qu'il m'atteigne. Allez, Hansen, l'heure tourne. Allez, Hansen, bouge tes fesses. Oui, je sais. Mais faisons un marché. Je trouve vos notes et vous faites sortir Anna de là. Vous êtes dur en égo, Hansen. Rapide. Il pense avec son slip. C'est vrai. Il se dit là peut-être que si je m'en sortirai, elle me renverra l'ascenseur. Bam! Putain! Une ou deux grenades, ça a l'air d'être suffisant en plus. J'avais bien que t'étais là, toi. Une ou deux grenades, ça a l'air d'être suffisant. De votre père. Et quand ce sera fait, Bennett pourra vous faire sortir de là. Vous allez mourir! Peut-être, mais vous survivrez, Anna. C'est le principal. Adieu. Adieu. Ah, voilà, c'est ce connard qui m'a... On va aller dans l'armurerie. Ok. On est bon. Bon du coup, après ça, après... après la peur du froid, là, on fait quoi? Dino Crazy 5, comme j'avais dit? Je sais même pas si c'est là... Cette saloperie est coincée. Non, tu veux faire quoi exactement? Il faut que je trouve le dortoir des scientifiques. Ah oui, c'est vrai. J'avais déjà oublié. Dino Crazy, je dirais. Après, on a quoi? Dans deux jours, on a Oni. On va peut-être faire du Oni. On a le DLC de mutants aussi. Ce qui est con, c'est que le dortoir, on doit être dans la bonne... Putain de merde. On doit être dans le bon sens, hein, mais... Mais je vois pas où c'est, hein.
pas du tout où c'est. Où ça peut être. Bien. Qu'est-ce qu'on fasse? Voilà. Donc demi-ciel ultra cauchemar, j'avais déjà commencé, j'avais fait le premier niveau. Je sais pas où on va, merde. Super, c'est verrouillé. C'est là. Ouais, j'avais fait le premier niveau, mais j'avais pas la foi de faire le reste. Je sais, mais faisons un marché. Je trouve vos notes et vous faites sortir Anna de là. Vous êtes dur en égo, Hansen. Ah, il est devenu fun ce jeu. Ouh là là. Mario Kart avec les viewers. Putain, c'est quoi ce truc? C'est quoi ces idées? Non mais... LOL. Bon bah c'est une façon comme une autre. C'est pas mal. C'est pas mal. Faudrait en faire un clip, tiens. Pas mal. Bon bah on saura pour la prochaine fois si jamais on doit recommencer. Que les ennemis peuvent tomber. Je savais pas. Honnêtement je savais pas. Anna, vous devez m'aider à détruire cet endroit. Non, je dois d'abord trouver les notes de votre père. Et quand ce sera fait, Bennett pourra vous faire sortir de là. Vous allez mourir. Peut-être, mais vous survivrez, Anna. C'est le principal.
Adieu. Une saison de Football Manager. Steel Battalion. J'ai une anecdote sympa pour Steel Battalion, le premier je parle, hein, avec la manette énorme. Je l'avais à une époque. Ah, le truc, c'est que c'est resté après chez mes parents. Donc la boîte avec tout le truc et tout ça. Et un jour, ma mère qui m'appelle, me fait « Eh, j'ai jeté quelques vieux trucs à toi !» Je fais « Ouais, ok, c'est quoi, des livres ?» Parce que j'avais beaucoup de livres de jeux et tout ça, tu vois, sûrement des livres. Elle me fait « Ouais, il y avait la boîte. Une boîte de jeux, là, énorme. J'ai viré, j'ai jeté. Ça prenait de la place dans l'armoire. » Excuse-moi, t'as fait quoi ?» Et après, je me demandais, attends, il n'y avait pas écrit Steel Battalion, c'était boîte armée, ça. Ouais, ouais, je l'ai jeté. Ah. Et après, je suis allé sur internet, j'ai regardé le prix. Et j'ai envoyé ça à ma mère. Je lui ai fait, voilà. C'est ce que tu viens de jeter. C'est dans les 500 euros à peu près. Vu qu'il y en a très peu. Donc, ouais, ce jour-là, j'ai quand même bien pleuré. C'est avec l'Orient, là c'est tout de suite plus fun. Ouais. Bon, comment on évite de se faire exploser directement? Qu'est-ce qu'on fait? On lui colle un... Je me mets sur le côté droit directement, c'est loin des tonneaux. Qu'est-ce que je sais pas quoi faire en fait. Ou alors je prends les escaliers, mais bon, le temps que je prenne les escaliers, il va sûrement me défoncer. On va faire côté droit. Ah merde, c'est pas là. C'est pas encore là. Ah ouais, non, c'était... J'étais un peu triste. Steel Battalion. Je crois que c'est, ouais, c'est la meilleure expérience de jeu mecha que j'ai eu. C'était juste... Rien que là, le truc de la manette et tout ça, c'est... Y a pas mieux. Et puis après, le jeu en lui-même, le jeu était vraiment bien fait. Un des premiers jeux que je connaisse qui avait permadef, quoi. Tu meurs dans le jeu, ta sauvegarde elle est effacée.
Donc une chose à retenir, les... On doit vraiment aller là. Chose à retenir, c'est que les aiguilles... Cette saloperie est coincée. ...peuvent détruire les... Enfin, font péter les tonneaux, les foutent en feu directement. Ah. Ouais, t'avais le... T'avais les deux... Comment t'appelles ça? Joystick. T'as les pédales aussi. Et puis, quand tu devais... genre, quand tu commençais une partie, que tu te mettais dans ton robot, tout ça, tu devais activer, en fait, toutes les parties du robot. Et t'avais des boutons pour ça, c'était super fun. Il y avait tout qui clignotait et tout, c'était cool. On va aller là-bas. Et t'avais le bouton éjecte pour t'éjecter. Si jamais ton mecha il allait exploser. Si jamais ton perso mourait, bah du coup, voilà. Là par contre. Là par contre, c'est. Sauvegarde, bye bye. C'est pas ça, le dortoir. Mais bon, on y est déjà allé, quoi. C'est ça qui me semble bizarre, en fait. Ah, ça m'étonnerait qu'il y ait le... Non, ça doit pas être là. Ça doit pas être celui-là. Est-ce qu'on n'a pas une carte, en plus? Objet, non, on n'a rien. Je dois trouver le moyen d'accéder au dortoir du personnel scientifique. Bah oui, mais bon... Donc c'est bien là. Il doit exister un moyen de passer de cette salle au dortoir du personnel scientifique. Bah voilà. Ok. Bon bah c'est bien. C'est bien, au moins le jeu il t'explique. Hein, ils sont pas connards à rien te dire et que tu tournes en rond pendant 4 heures quoi. Ça va. C'est... Au moins il t'explique. J'ai trouvé le portable de Kamsky. Beau travail. Reliez votre casque micro au port USB et commencez le téléchargement. Reliez votre casque micro pour télécharger. Ok chef, transfert du fichier de l'antidote. Je l'ai. Et le reste? Y'a rien, j'arrête tout. C'est très drôle, Hansen. Vous m'avez dit que ce fichier seul vous importait? Ouais, c'est ça. Écoutez-moi bien, Hansen. Continuez le transfert, je veux toutes ces données. Si vous les voulez, venez les chercher. Hey, vous voulez toujours détruire cet endroit? Tom, oui, oui, bien sûr. Super. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai trouvé quelques explosifs. Mais ça ne suffira pas pour tout faire exploser. Vous en trouverez d'autres dans la réserve sous-marine. Protégé? Bien sûr. Mais je vous transmettrai le code quand je l'aurai. Et je vous indiquerai où placer les charges. Je connais cet endroit comme ma poche. Et je sais comment le détruire. C'était étrange ce qui vient de se passer. Je vois pas pourquoi on se fait chier à aller là. Si après le mec on lui dit va te faire foutre quoi. Je comprends pas. Bienvenue Saphir, bienvenue à toi, j'espère que tu fasses un bon week-end, enfin bonne fin de dimanche même. Elix nous quitte, adieu Elix. Ressuscite plus tard sur le stream, reviens. Bah bonne soirée du coup. Et bon week-end. Non pas bon week-end, bonne semaine même. Bonne semaine. Qu'est-ce que tu fous là-dedans, toi ? C'est quoi ça ? Vous êtes con ? Arrêtez de vous foutre dans des casiers, c'est débile ! On va dire que ce sont des gens qui se sont cachés pour éviter de se faire attaquer par des monstres et ils ont muté dans les casiers.
Et du coup, maintenant, ils sont dans les casiers. Ils sont dans les casiers bloqués. C'est quand même con. Hein. Quand même con comme histoire. C'est déverrouillé. Ah oui. Hansen, le code est 19012. Vous allez devoir prendre l'ascenseur principal. Bien reçu. Faites attention. Vous aussi. Vous aussi. Vous avez noté le code 1 9 Ah merde. Par où on passe pour l'ascenseur, du coup ? Là ? Ah oui, c'est ça. Ascenseur sous-marin. Est-ce qu'on arrive à la fin du jeu, là, ou... Quelqu'un sait ? Quelqu'un peut vérifier, peut-être, même ? Est-ce qu'il reste longtemps encore, ou c'est vraiment la fin, là ? Oh merde. Putain, faut pas que ça craque. Faut pas que les vitres craquent. Oh non. Ah mais je vais où ? Ah ça ? C'est déverrouillé. Yeah, on a le code. Anna qui nous l'a donné. Sous-marin. La question c'est, est-ce qu'il y a des bestioles sous-marines quoi ? Cette saloperie est coincée. Le truc qui est en haut va venir te dire bonjour dans les tubes. Les explosifs là. Alerte. Système de défense automatique activé. Je répète, système de défense automatique activé. Ah merde. C'est où, connard ? Très bien. Dégagé, déverrouillage des portes. Ah, j'en ai déjà combattu plusieurs fois des trucs comme ça. Maintenant, on commence à savoir. Ils prennent cher. Bonjour. Alors, on avait plein de trucs explosifs. On avait des valves et tout. Système électrique verrouille cette porte.
Ah, c'était pas prévu ça. Voilà. Très bien. C'est déverrouillé. Oui, oui, plus ou moins, oui. Oh merde. Récupérer les... Quoi ? Je dois récupérer les 3 charges de ces 4. Ok, s'il y a un truc qui pète, je crois que je suis mort, là. Vu le nombre de barils... Vu le nombre de barils, je crois que ça fait crasher le jeu, même. Voilà les charges de ces 4. Oh merde. On est où? Hansen, le code est 19012. Vous allez devoir prendre l'ascenseur principal. Bien reçu. Faites attention. Vous aussi. Oh mon dieu, putain. Ah la vache, connard. J'avais oublié. On est reparti. Super, c'est verrouillé. Voilà. Comment je vais faire pour le défoncer, lui? Ah oui, je peux utiliser les fléchettes. Je dirais. Merde, c'était où? Ouais, c'est là. Je dirais les fléchettes. C'est déverrouillé. On l'attire quelque part et on se casse. Automatique activé. Je répète, système de défense automatique activé. Il est parti où? Pas les tonneaux là? Ah, il n'y a pas de tonneaux. Voilà, très bien. Zone dégagée, déverrouillage des portes. Ah oui, c'était des volants là, j'aurais pu tirer dessus. C'est déverrouillé. C'est parti. «
Après, est-ce que si on tire sur un baril et avant qu'il explose, on change de zone? Est-ce que ça pourrait marcher? Est-ce que je peux pas bouger les barils? Ah, yes, on peut. On peut pas tous, en fait. C'est reparti. Voilà les charges de ces quatre. J'ai le C4. J'ai indiqué les lieux à faire exploser. Commencez par l'ascenseur sous-marin, puis la salle de contrôle de la passerelle mobile à côté du module scientifique, et terminez par la salle située avant l'héliport. On se retrouve là-bas quand j'ai fini. Putain. Il est long le jeu quand même. Quand même bien long, hein. Il y a bien des trucs dans l'eau. Ah putain! Je t'avais promis dans ma dernière lettre en train de se produire la puissance. Quoi, la puissance qui est en moi dépasse déjà toutes mes espérances, mais j'ai l'impression que ma métamorphose n'est pas encore terminée. Mes bras continuent de se développer. Bientôt quiconque s'approchera de moi subira les foudres de ma colère. Anna, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. J'ai rendez-vous avec l'immortalité. Rejoins-moi, Anna, c'est le plus beau des royaumes. Je l'ai bâti pour toi. Ma fille chérie, je me sens si fort, je ne détruis pas l'antidote. Ouh, il faut que je détruise l'antidote. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, première chose, c'est quatre à l'endroit indiqué dans l'ascenseur du tunnel sous-marin. L'ascenseur du tunnel sous-marin. Donc ouais, c'est bien le père qui est devenu un monstre. L'ascenseur du... Bah c'est ça. Honnêtement, c'est un peu la merde, parce que je sais pas vraiment où il faut aller. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir.
crois qu'on va s'arrêter là pour soir. Je vais regarder où aller, ça ira plus vite. Parce que là, à chaque fois de chercher où il faut... L'ascenseur du tunnel sous-marin, c'est celui-là normalement l'ascenseur, je dirais. Mais bon, ouais, on va s'arrêter là pour ça. Ça fait petit 3 heures de stream, je pensais faire moins en plus, honnêtement. Je pensais vraiment faire moins. On va se relancer, je crois que la dernière fois on devait faire péter différents endroits du de la station pétrolière. On devait placer 3 charges de C4. Donc on va voir exactement où on les met. J'espère ne pas me perdre encore une fois. Yo Floum, j'ai vu que Phoenix Force sera bientôt sur Epic Games et aussi découverte une magnifique du prochain jeu de survie Little Devil Inside. Connais pas du tout. Faudrait que je regarde ça après. Au passage, fameuse boisson Go dont je t'ai parlé sur le stream. J'ai mis une photo Discord. Si tu veux. Ouais, ça marche. Merci Lucie. C'est quoi comme style de survie? Parce qu'avec un nom comme ça, ça a l'air étrange. Aurait-on perdu la connexion? Oh. Ah, c'est revenu. C'est revenu, c'est revenu, c'est revenu. On est bon. Désolé, grosse perte de connexion pendant une fraction de seconde. C'est bon, c'est revenu. Vous avez vu l'image de Twitch avec les câbles. Ah, je me suis pris Beyond Two Souls et Heavy Rain sur Epic Games en passant. Si t'aimes ce genre de jeu, à la limite, prends... Ouais, bon, après, c'est horreur, mais... C'est quoi, Until Dawn? C'est pas mal, ça, Until Dawn. Tu fais crever les gens, c'est cool. Si on lançait le jeu, c'est quoi la dernière sauvegarde? C'est ça? Ça. Entrepôt des munitions. 21-28, c'est ça? Oh merde, attends. Je vais... Système de défense automatique activé. Ah non, y'a pas la latence, ça tue. Cool. Ah, je vais pouvoir bien jouer. Oh. Tâche. La dernière fois on a joué 3 heures avec ça, c'était horrible quand même. Enfin moi, pour moi c'était horrible. Eh putain, attends. Tâche. Oui, je te demandais. J'ai indiqué les lieux à faire exploser. Commencez par l'ascenseur sous-marin, puis la salle de contrôle de la passerelle mobile à côté du module scientifique, et terminez par la salle située avant l'héliport. On se retrouve là-bas quand j'ai fini. Ok. Je demandais ce que c'était Little Devil Inside, là, comme survie. Quel genre de survie? Genre survie... Avec des monstres, avec des trucs. Parce qu'avec un nom comme ça, pour moi, ça a l'air d'être un truc de monstre, quoi. C'est vrai que dimanche, j'ai pas streamé pour longtemps. J'avoue que le coup de la latence, ça m'a un peu refroidi. C'était un peu chiant de jouer. Un peu chiant de jouer. Là ça va mieux. Là c'est mieux.
C'est pas une exclue PS4, du moins console. Ah, Until Dawn. Ah oui, peut-être. Ah oui, non, je dis de la merde, ouais. Oui, non, c'est possible que ça soit exclu, ouais. Ouais. Ah, putain! Il n'a pas voulu... Ah, voilà. Ah, putain de ta mère! Tirer? Ah, putain. Je pouvais tirer? Morte la tête, ouais. Apparemment, on peut tirer, on peut se débattre et tirer après. Je sais pas si c'est une mécanique ou pas. Il y a tirer qui clignote. Okay. C'est supposé être un open world survie avec du fight, avec une DA très classe. Et quel genre de survie? Boire, manger, tout ça? Genre classique. Où il y a des choses en plus, comme la température, des trucs comme ça. Cette saloperie est coincée. Attends. Alors, on doit faire d'abord péter... Ah non, ça on l'avait lu. Première charge à l'endroit indiqué dans l'ascenseur du tunnel sous-marin. L'ascenseur du tunnel sous-marin. Dites-moi si le son est bon, hein, le micro, parce que j'ai tendance à le bouger en ce moment, je sais pas pourquoi. À chaque fois, il me gêne. Hein. Si jamais ma voix est trop basse. Ma voix suave. Ascenseur principal du module scientifique. Ascenseur du tunnel sous-marin. Donc c'est pas celui-là. Là-bas c'est quoi? Ils te disent le nom ou pas? Tunnel sous-marin. Okay. On va se repérer comme ça en fait. On va se repérer tout simplement comme ça. En lisant les inscriptions, tout simplement. Ah! J'entends des bestioles, mais attendez, je bois. Voilà. Voilà. Ouais, il faut juste tout simplement se repérer à lire les écritures. C'est un peu chiant. Et après, la mémoire aussi. Parce que j'ai pas de mémoire. Non, vous vous rappelez, j'ai pas de mémoire. Ça marche. On est sur la bonne voie si ça a sauvegardé. Ah, ok. Ah, c'est pas mal comme... comme emplacement. Nous avons obtenu d'excellents résultats avec les dernières versions du sérum de Victor. Mais bien qu'il empêche sa mort, le sujet infecté continue à subir de nombreuses horribles et très douloureuses mutations. Le sérum semble également accélérer certaines phases du processus. Je ne vois pas quel autre mot utiliser. Ah, que monstre. Oh, j'ai sûrement eu un lag parce qu'il y a plein d'écritures qui ont pop sur le chat. Même du gameplay en navire. Alors attends. Gameplay en navire, bref, adorer quelques démos, sonnerait bien, ce fait d'armes droppées sur les mobs, sûrement, on voit que les trailers sur le net. Une petite démo du gameplay. Ah, c'est pas sorti, d'accord. Je peux comprendre qu'il y aurait des véhicules et navires avec plein de magnifiques biomes. Ok. Y'a de la coop? Y'a du multi? Ah, sujet de pose d'énormes difficultés, je ne comprends pas pourquoi Victor tient à conserver ses pires échecs en vie. Cette chose hurle constamment et se déplace aussi bien sur le sol que sur les murs et les plafonds. Encore heureux qu'elle déteste la lumière. Ah, qui reste le seul moyen d'avoir une influence toute relative à son comportement particulièrement agressif.
Mais ces cris qui se réveillent la nuit me glacent le sang. Ah, de quoi il parle? Peut-être un monstre qu'on n'a pas encore découvert? Il a acquis de nouveaux pouvoirs, j'ai passé la journée à l'observer, et le soir venu j'ai découvert avec horreur que les nouvelles mutations de fréquence de son, cris, éteignent les lumières électriques. Waouh. 10 à 30 secondes, d'accord. Donc on a un monstre qui a peur de la lumière et qui peut détruire les lumières. Enfin, qui peut... une sorte de faire un IEM, quoi. Un EMP. Alors... une vague distorsion de l'air comme une brume de chaleur. Et ah, il peut devenir invisible. Mais c'est pas ce qu'on combat depuis tout à l'heure. Il s'est blessé, il est devenu visible au un court instant. Ah, ils ont peur de la lumière. C'est vrai qu'à chaque fois, je prends le fusil à pompe. Hein. Oh mon dieu, la... ah, le truc, il en finit pas, quoi. Ils auraient pu faire des pages, quand même. Parce que moi, à chaque fois, je dois faire... c'est trop bien. Tu se caches quelque part en entendant la métamorphose. Je suis persuadé qu'il a décidé d'expérimenter sur lui-même. Et qu'il se cache... ah non, il parle du père en fait. D'accord. T'as un compagnon, mais ça, je crois, avec les infos que j'ai trouvées dessus. Ok. Surtout un jeu solo, ça marche. Mais t'es sérieux? On le fait péter directement? Enfin, on met genre 3 secondes? T'es fou? T'es fou? Ça va pas la tête? Oh merde, c'est foutu! Ah ouais, non, mais c'est une idée à la con, hein. C'est vraiment une idée à la con de faire péter le truc directement. Je sais pas, au moins... j'en sais rien. Quoi qu'il faut, mettre un timer, quoi, mais 10 minutes au moins. Bon, maintenant, la deuxième. Poser la deuxième charge à l'endroit indiqué dans la salle de contrôle de la passerelle mobile qui m'aide au module scientifique. Salle de contrôle de la passerelle mobile. Salle de contrôle. Je dirais que c'est au-dessus. Je pense qu'il faut prendre l'ascenseur. On est où là? Labo. Chambre d'expérimentation. Non, je pense que c'est là. Je pense que c'est en haut dessus. Ça me fait penser au jeu narratif où tu butes. Où ton but est de faire avancer ton véhicule avec une voile et un moteur à vapeur. Ça me dit rien là. Tunnel sous-marin. Ouais, non, il faut prendre l'ascenseur, je pense. Sunken Sea. Je sais pas. Qui m'aide nos modules scientifiques. Module scientifique, c'est ici. Dans la salle de contrôle de la passerelle mobile. Dans la salle de...
de contrôle de la passerelle mobile. Salle de contrôle de la passerelle mobile. Bah voilà, c'est là. En gros, il y a les portes étanches, quoi. Donc ça donne aussi peut-être un indice, peut-être. Oh, ok, c'est là. Mais du coup, on repart où ? Là-bas ? Je sais pas. Ah ouais, je dirais. Ouais, oui. Oh, on a bien fait ! Ok. Ouh. Oh merde, c'est foutu ! On avance. Tu peux faire a priori ce que tu veux dans Little Devil Inside. Depuis quand il y a des bestioles là ? Par contre, ce qui est chiant, c'est que le MP5, il a pas de, enfin, il a pas d'impact quoi. Putain, on dirait que tu tires du plastique. Les monstres ne bronchent pas. Les monstres ne bronchent pas du tout. Ça marche, Vrom. A plus. Bonne chance pour ta survie. Je regarderai ça, le jeu, après le stream. En tout cas, merci. Posez la troisième charge à l'endroit indiqué dans la salle. Non. Dans la coursive supérieure qui mène à l'hélice. Coursive supérieure qui mène à l'héliport. Alors là. Si tu bloques, j'ai la soluce. Ça marche. Pour l'instant, je pense savoir où aller. Bonne soirée, Vrom. Je pense savoir où aller. Qu'est-ce que... Oh non. Oh non. Ah non, c'est ça. Ok, un mort. Je sais pas si on doit vraiment les tuer en fait. Ah, oh,
il est à l'intérieur, d'accord. Ah merde. Ah putain, il y a du feu. Brûler. Est-ce qu'il peut brûler? Honnêtement, on n'avait pas besoin de les tuer. Quoique, ça j'en sais rien. Putain, je vois rien quoi. Je vois la solution pour la finaliser. Trop limité, question survie, je pense. Ça reste un jeu de contemplation. Si ça se dit plus que survie, d'accord, je vois, ouais. Ouais, c'est bien ce que je pensais aussi quand j'ai vu, c'est plus exploration à la No Man's Sky, quoi. Tu regardes la planète, tu explores la planète. La survie avait l'air très très basique et pas vraiment important dans le sens où c'est... ça fait pas grand chose. Elle s'ouvre. Et ça, c'est cool que t'aies testé. Merci de l'info. On n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Bueno. Ben, je crois. Alors, attends, du coup on est coursive inférieure. Dans la coursive supérieure, ok. Donc, la supérieure c'est celle de l'hélicoptère. C'est de l'hélicoptère. De l'escalier ou c'est ça? Cette saloperie est coincée. L'escalier. C'est con qu'on puisse pas récupérer d'objets sur... Enfin après c'est des monstres. Les autres c'était des moitiés humains quoi. On est assez limité en ressources donc faut faire gaffe. On va voir s'il n'y a pas des objets là-dedans. Qu'on n'aurait pas laissé des trucs... Ah là-bas, je crois que c'est juste des cartouches. Très bien. Ils sont pas très durs à esquiver au final. Super simple même. Ah, du soin. Très bien. Très très bien. J'ai dû me faufiler dans les couloirs de la maison sans me faire repérer car les chiens de l'X. Quoi ?
pour atteindre la cage de biscuits. Mission de ravitaillement réussie. Lol. Prendre des morceaux de viande, tu mets des somnifères dedans. Non, je déconne, fais pas ça. Je vais me faire bannir, moi. Cette saloperie de dire des conneries comme ça. Bah après, tu peux faire des biscuits et mettre des somnifères dedans et les donner à Elix. Ça, c'est autre chose. Ça passe. Yes, on est sur la bonne voie. Ah ouais, mais attends, du coup on va où après? Parce que c'est où l'héliport? Pour moi c'était avant, il faut retourner d'où on vient. Non? Poste de sécurité. Non, c'est poste de sécurité, c'est où c'est qu'il y avait les générateurs qu'on a détruits. Ah non, c'est là, module d'héliport, ok, ça marche. On est prêt? Ils sont quand même bien bien puissants, hein, ces C4, hein. Putain. Mission accomplie. Je suis près de la passerelle reliant les plateformes. Il y a un hélicoptère. Il était en réparation quand je suis parti. S'il est en état, on pourra partir de là. Vous savez piloter un hélico? Je me suis occupé comme j'ai pu. Splendide, j'arrive. Splendide. Le mec qui veut m'empoisonner, pas du tout. C'est pour bien dormir. Puis c'est pas moi qui fais les biscuits. Non mais, c'est pas ma faute. Alors, éliminer Kamsky. Genre, c'est le père ça. Putain de merde, what? Vache. Il m'a fait sursauter ce coup. Il y a pas les trucs qui sont tombés. Ah, toi. Toi, faut perdre la tête. Proche de la fin. Bah, une dizaine d'heures quand même, c'est pas mal. Oh merde. Ah, les HP qui m'ont enlevé le tout. Ah, bien joué. Ah, bougez pas.
Oh la vache. On est bon. Putain, tu la sens la fin du jeu là? Non, je pense pas qu'il soit vraiment long, court en fait le jeu. Il doit être à un peu plus de 10 heures, je pense. Non? Bon, peut-être un peu moins de 10 heures. Il doit être dans les 7-8 heures. Ce qui est potable. Anna! Tom! Encore quelques charges à poser! Et où est-ce que vous croyez aller avec ma fille? Papa? Je vous couvre, Anna! Faites ce que vous avez à faire! Ah, tout le monde qui se fiche. Ça va être bien ça. Encore quelques charges à poser. J'ai rien. J'ai pas de fléchette pour la tirer, rien. Anna. Qu'est-ce que... Attends, y'a pas un truc à faire autre part? Anna. La lumière peut-être. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est quoi ce jeu de merde? Anna! Tom! Encore quelques charges à poser! Et où est-ce que vous croyez aller avec ma fille? Papa? Je vous couvre, Anna. Faites ce que vous avez à faire. Oh, wow. Okay. Ah okay. Il fallait 3 cartouches. D'accord, un truc qui est plus rapide, alors. Anna! Oh la vache. Je vais bien continuer à fouiller les cadavres pour trouver des munitions. Bon, encore quelques charges à poser. Comment tu l'esquives? Parce que je cours. Anna! Tom! Encore quelques charges à poser! Ah ah! Yes. Il va me faire tomber ce con! Il est trop rapide. Comment tu fais? Il est trop rapide. Faire une roulade. Putain, je voudrais bien qu'on puisse faire une roulade. Anna! Putain, j'ai réussi à esquiver. Merde.
dois tout faire pour l'éloigner d'Anna. Je ferais bien continuer à fouiller les cadavres pour trouver des munitions. Merde, trop tard. Ah, le problème c'est que j'ai pas d'armes rapides quoi. Il me reste quoi ? Ah, le MP5 peut-être ? Je vais voir si je peux me mettre dans le coin. Encore quelques charges à poser. Je sais pas comment j'arrive à l'esquiver. J'ai l'impression que quand il fait des grandes distances, ça passe. Oh oh. Ah, il m'a tapé deux fois ce con. Ah, y a pas un moyen de bien l'esquiver parce que là. Anna! Impossible de m'arrêter. Je vais devoir attirer ton attention sur moi. Ah, attends, peut-être que. Ok. C'est bon. Ok, on a compris. En colère. Je vais bien continuer à fouiller les cadavres pour trouver des munitions. Merde. Impossible de l'arrêter. Et je vais devoir attirer son attention sur moi. Pourquoi t'as fermé la porte, connasse ? J'ai réussi à faire défiler l'hélico. Alors venez vite ! Vous devez le tuer pour que je me rapproche ! Je fais de mon mieux ! Ah, on pouvait tirer. Oh la vache ! Mais t'es sérieux là ? Mais ça va prendre 3 plombes à le tuer. Anna ! Impossible de l'arrêter. Je vais devoir attirer son attention sur moi. Je vais bien continuer à piller les cadavres pour trouver des munitions. Bon ! Encore quelques charges à poser. Thank you.
J'arrive pas à... je maîtrise pas vraiment bien sur l'esquive en fait avec lui encore. Tout à l'heure, Lucie. Oh la vache. Anna! C'est impossible de l'arrêter. J'ai l'impression que quand je lui tire dessus, quand il se retourne, c'est là que je peux l'esquiver. Genre comme ça. Là, ça a l'air de marcher en fait. Bon, encore quelques charges à poser. C'est strictement rien. Très bien, continue à fouiller les cadavres pour trouver des munitions. Encore un. Tu l'esquives en allant directement sur la droite, mais c'est un peu difficile à timer en fait, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être un peu aléatoire. Je sais pas. Alors il y a une mécanique que j'ai pas comprise. Très bien, continue à fouiller les cadavres pour trouver des munitions. C'est avec l'autre bras là qui chargeait. Donc il faut esquiver sur la gauche. Et il faut que je me fasse capturer et il faut que je tire à bout portant. Là, j'aurais dû aller sur la gauche. Mais bien continuer à fouiller les cadavres pour trouver des munitions. Impossible de la... Ouais, non, c'est ça, c'est droite ou gauche en fait, je crois. Mais c'est t'as genre une fraction de seconde pour choisir le droite ou gauche en fait. Tu le vois à peine, le bras levé. Anna! On soit loin. Ah, ça va être fun, hein. On va regarder 5 pendant au moins une heure la même chose. Ça va être vraiment fun. Comment on peut pas le forcer à utiliser un bras? Par contre, il ralentit quand tu commences à lui mettre des balles, puis il s'énerve. Merde. Et si on commençait à aller sur un côté, puis après l'autre? Merde. Je te déteste, Long Turn. Pas du tout. Thank you.
Ok, ça a l'air d'avoir marché. Ok, on va faire comme ça, hop, et on change. Ok, on fait gauche-droite. Ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de le pousser à vouloir taper avec un bras et... Et maintenant, on va là, comme ça, et après on va l'autre. Yes, ok, je crois qu'on a... On a trouvé un pattern. Un pattern. Après, peut-être que j'ai eu de la chance. Et comme ça, et comme ça. Yes. Comme ça, et après comme ça. Ok, c'est bien, ça va marcher par contre. Pas cette fois en tout cas. Ah, il va pas foncer dessus là. Ah, pas ce bras là. Trois coups t'es mort hein, en plus hein. C'est bien quoi. Merde, il a changé de bras ce con. Oh, il y a des gens qui jouent à des nouveaux jeux et moi je joue à ça. Et après en fait c'est pour la deuxième phase, il faut se débattre et après tirer, mais il faut le faire très vite. Anna, ça a l'air d'être honnêtement extrêmement chiant. Anna. Pourquoi il a changé? Pourquoi il change de bras comme ça? Encore quelque chose à poser. Thank you.
C'était la fin en plus, je suis sûr qu'il devait rester genre une seconde. Ah, je suis prévenu pour qu'il prenne dans sa main. Restez le plus possible près de lui pour qu'il vous prenne dans la main, dans sa main. Il était quand il court vers vous. Oui, enfin, ouais, ouais. Anna, ça m'aide pas vraiment. Ah. Peut-être faut que je réagisse vite. Oh, encore quelques charges à poser. Merde. Putain. Chier. Putain, j'ai combattu des tyrans. Tu vas pas me dire que toi, tu vas me faire chier quand même. C'est sympa. J'ai réussi à faire dépouiller l'hélico. Alors venez vite. Vous devez le tuer pour que je me rapproche. Je fais de mon mieux. Il a l'air impossible. Je vais devoir me rapprocher. Et alors ? Lucie, Graham a au fang avec des petits biscuits. Anna! Ok, je pense que... Je pense qu'on a l'esquive. Après, le problème c'est phase 2, il va falloir faire la différence entre esquiver et se laisser agripper. Hein. On va rester près de lui comme la seule solution. Ok, cool, bien. J'ai réussi à faire dépouiller l'hélico. Alors venez vite. Vous devez le tuer pour que je me rapproche. Je fais mon mieux. Je vais devoir me rapprocher. Cool. Oh la vache. Cool. Cool.
putain. Quel connard le mec! Bye bye papa! Quel connard! Oh waouh! Enfin, qu'est-ce que je m'attendais à quoi? Hein, je m'attendais à quoi? C'est un vieux jeu quoi! Bye bye papa! Ça, c'était fun! On dirait du Marilyn Manson, la voix. C'est Manson, ça. Ouais, c'est du Manson. Après, la, ouais, la seule, seule truc, c'est qu'il n'y a pas de carte, il n'y a pas du tout de carte. Après, tu peux... Quand tu cibles les inscriptions en russe, là, le mec, il les traduit, en fait, il te dit où ça mène. Mais... c'est vrai que le coup de pas avoir... le coup de pas avoir de map, ça rend la chose un peu difficile. Juste une seconde. The Long Dark, mode histoire. Ouais. Je sais pas. Ah, je vais sûrement devoir couper cette partie si je le remets sur YouTube. À cause de la musique. Même le VOD va sûrement être... le VOD va être muté, je pense. Enfin, cette partie, en tout cas. C'est une musique de Manson. Un très bon petit jeu. Le gameplay est sympa, le... même maintenant, après... c'est quand c'était... on avait vu, c'était 2005 je crois. C'est... non, ça a bien vieilli, ça va. Ça reste un bon jeu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a fait qu'à peine une heure de stream, merde. Si j'avais su, je l'aurais fini la dernière fois. Dans le même lot que Obscur, je trouve. Ouais. À la limite... celui-là est mieux. Je dirais. Parce que Obscur, c'est un peu la... les con... en fait, les contrôles en fait, d'Obscur sont bof. On va dire, c'est pas précis et tout ça. C'est difficile d'esquiver et tout. Celui-là marche mieux à la limite. Est plus fun à contrôler. Celui-là est un peu mieux. Après, on peut pas esquiver plus que ça non plus, mais c'est plus fun, on va dire. Les gens vont lire sur téléphone pour comprendre la VOD, ouais.
Ouais, quand il y a des musiques copyright, c'est muté. Fallout 4 mode cannibale, non? Ça, je pense que c'est, je devrais les effacer en plus ces jeux. Enfin, je devrais les délaître. Je pense pas que ce soit des jeux que je vais relancer un jour ou l'autre, voire jamais. Fallout 4. Genre, ça m'attire pas du tout de relancer le jeu. J'en ai trop fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je pourrais faire mutant, mais j'ai pas pris le DLC, donc faudra le télécharger. J'avais adoré ton let's play. Ouais, non, mais Fallout 4, j'en ai trop fait. Et puis le problème, encore une fois, c'est que bon bah mode quoi. Il y avait tellement de mods dessus, donc maintenant il faudrait tout mettre à jour et tout ça. Donc ça sert quasiment à rien. Je propose pas mon idée. Non, pas d'accumu. Quoique. On teste. Je te déteste, Vroncteur. Pourquoi je te connais, sérieux? Use your fist and not your mouth, de Marilyn Manson. Le jeu et son contenu sont fictifs. Personnages, scénario et l'action sont totalement imaginaires. Pourquoi? Je vois pas pourquoi ils doivent mettre ça. Ouais, c'est au cas où, quoi. Si des gens font de la merde par rapport au jeu et après ils essayent de porter plainte comme quoi il est dans le jeu, donc moi je l'ai fait. Bonus, les origines. Les exocelles. J'ai pas joué à The Evil Within. C'est vrai, c'est ma faute. J'ai fait une partie en cannibale de la confrérie de l'acier et une petite scientifique sanguinaire. Sympa. Cold Fear. Après, l'histoire est très basique, donc ce genre de jeu va jamais avoir un... Ouh, ça c'est une arme qui a jamais vu le jour, je pense, dans le jeu. Genre truc électrique. Il y aura jamais de reboot ou de remake ou quoi que ce soit, puisque l'histoire est trop basique, pas assez intéressante. Mais c'est un bon jeu. Thank you.
Qu'est-ce qu'ils font Darkworks maintenant? Est-ce qu'ils existent toujours? C'est con, je suis obligé d'utiliser mon téléphone parce que sinon le jeu va pas aimer le alt-tab. Oh, Them and Us, je voulais y retourner. On va peut-être faire ça, tiens. Je voulais retester. Création 98. C'est sur Social à Paris, France. C'est un jeu français aussi, j'avais oublié ça. Était une société française de développement de jeux vidéo fondée en 98 à base de Paris, qui a fermé ses portes le 26 novembre 2011. Par décision du tribunal de commerce de Paris. Ah, liquidation judiciaire. Oh, putain, tous les projets annulés, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils ont fait 4 jeux. Ils ont développé 4 jeux. Et ils ont une dizaine de projets qui a été annulé. Je pense que ça doit être leur meilleur jeu, Call of Duty. Même putain. Compteur de tuerie était à zéro. Ah bah du coup on va faire Them and Us. Je voulais retester depuis les mises à jour. Maintenant normalement on a débloqué Extreme. Je sais pas. Genre le truc qu'on fera jamais quoi.